marché. Je viens pour le contrat. Vous avez un problème, on dirait. Des tombes ont été profanées. Si c'était que ça. De temps en temps. Aussi. Non. Et vous. J'ai l'air de. Je vais tâcher de voir ce qui s'est passé. Des gens, le violon. Profane une tombe, l'odeur de putréfaction attire les chiens sauvages. Mais ni les goules ni les chiens n'enlèvent les enfants. La tombe a été retournée, récemment. Pour autant, l'odeur de cadavérine est ancienne, rance. Où va me conduire cette puanteur ? Celle bête qui vit ici. La créature utilise des outils pour sa tanière. Elle est donc intelligente. Des crânes humains dans un cercle magique. Le monstre les utilise pour puiser des forces du site d'énergie. Un fémur humain. Un fémur d'enfant. Sûrement une guenote sépulcrale. Elle utilise les crânes pour puiser l'énergie. Cela l'a rendue suffisamment sûre d'elle pour s'aventurer au village. Je dois prendre les crânes pour l'obliger à retourner au cimetière. Je lui tomberai dessus là-bas. Voilà qui devrait l'énerver. Il ne reste plus qu'à patienter au cimetière. Il s'y rendra sûrement à la nuit tombée. Sale voleur qui pique mes crânes. Mes crânes à moi. Il a qu'à déterrer les siens. Et la voilà.
Je viens pour le contrat. Et problème. Je... L'enfant est mort. Je m'en doutais. Et ma récompense ? Oh, j'ai pas oublié. Adieu.